Salut! La petite blague de début de vidéo qui fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aux yeux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sinon, je vais vous dire que j'avais mal au cul. Putain, mais j'ai mal au cul. Ça fait 2 semaines que je m'assois sur une chaise où je sens la barre de fer en dessous. Ça fait 2 semaines que je boite. Voilà, c'est tout. Bonne vidéo. Ah, je rigole. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien, les copains. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Tiens, j'ai une affaire debout celle-ci. Quoique non, assis sur le canapé. Quoique non, assis dans la chaise. Dans le canapé. Non, dans la chaise. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo fun. Comme je vous l'avais dit, on va reprendre quelques vidéos avec un petit peu de montage, des vidéos fun et des vidéos en death run. Bon, voilà, c'est chiant à faire. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit peu des vidéos, reprendre un petit peu les vidéos comme je faisais à l'ancien. J'espère qu'en tout cas, ça vous fera plaisir. Du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Parish. Parce que là, je l'ai muté le temps de faire mon introduction qui est très malaisante, encore une fois. Écoutez, c'est parti. Allô? Allô, Refid? Comme ça, tu aimes les barres de fer dans les fesses? Ah, mais tu m'entendais? Ah merde! Elle tourne déjà mal. T'étais pas censé l'entendre. Bah écoute, bah nickel. Ah ok, bah je suis encore à la traîne comme d'hab. À l'époque où j'étais au lycée, je cours après mon bus. Non, je cours après Paris, je pourrais aller dans son... J'arrive avec mon lama. Ah, c'est vrai que j'ai fait mon intro, mais j'aime pas expliquer ce qu'on allait faire aujourd'hui. En fait, pour ceux qui regardaient du coup ma vidéo, en fait, on va faire un petit puissance 4. Ouais, un puissance 4, vous savez, le petit... Voilà, le jeu avec les deux couleurs, le jaune et le rouge. On doit mettre du coup 4 pions alignés. En diagonale, en droit ou en large. En fait, et après, c'est un système de jeu tour par tour, on peut mettre un pion. Après ouais, ça, c'est du puissance 4, je te dis, j'ai des années de pratique hein, de puissance 4, je sais pas si tu savais. Avec ma maman puis ma grand-maman. Tu peux être confiant si je te propose un petit défi. Alors celui qui perd, eh ben, il a un gage sur sa chaîne, c'est l'autre qui choisit. C'est quoi, tu proposes même un truc qu'on va tous les deux poster la vidéo. C'est les abonnés qui choisissent le gage qu'on doit faire à la prochaine personne sur sa vidéo la prochaine fois. Voilà, donc dans la vidéo à moi et à Paris, du coup, on vous laisse mettre dans les commentaires le gage que l'autre il devra faire. Et celui qui aura le plus de likes... Allez, vas-y, à toi l'honneur. Les femmes d'abord. Ils s'en bat les couilles. Donc, par exemple, pour vous faire simple, voilà, on a notre grille de jeu. Si je veux jouer un pion dans la grille numéro 4, bah, tout simplement, je saute dans la case numéro 4. Tac. Et après, je remonte. Et là, comme vous pouvez le voir, mon pion a été joué dans la grille. Waouh. Là, t'as fait un bon choix de placer là au début. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je sais, attends, je vais rejouer au-dessus de toi, logiquement. Parce que là, quand t'as mis au milieu, déjà, je peux pas faire de 4 tout en bas. Donc, faut jouer au-dessus de toi. Hop. Et là, logiquement, vous êtes vraiment très perspicace. Moi, j'ai joué entre les deux pour te bloquer ton côté. On va jouer le 3, du coup. En général, dis-toi, il faut toujours jouer un pion à côté d'un pion que t'as déjà joué. Perds des possibilités par la suite, en fait. Et moi, attends, je te donne des conseils pour que tu me battes, en fait, là. J'ai pas trop envie de faire le tapin sur ma prochaine vidéo. Ça m'intéresse pas trop. Donc c'est ça, je te laisse mettre un troisième ou soit j'en mets un troisième pour moi après. Je pense que j'ai joué pour moi après, donc je vais mettre celui-là. Le numéro 4 est demandé chez Paris. Bah c'était logique comme temps que t'allais le mettre là. Parce qu'avec le bol que j'ai, je vais sauter dans le mauvais trou, tu sais. Attends, donc là du coup je dois mettre le 5, ok, le 5. Sauter dans le mauvais trou quand même. Bon, ça arrive hein. Le souci, c'est pas de se tromper de trou, c'est après s'être trompé de trou en fait. En fait, on a exactement joué la même chose hein, quand tu regardes bien. Tu sais que j'ai déjà fait faire une grosse bêtise là. Je fais y mettre sur le 5. Ah non, je fais pas du coup. Allez, on va mettre le 4. Tu sais que c'est bien foutu quand même hein, d'avoir un petit système comme ça et t'es jusqu'à remonter, puis ça joue tout seul. Et ah, merde, je fais une bêtise. 6. Bon, bah, je vais jouer sur le 2 moi. Bizarrement, il dit plus rien. Il dit plus rien. Eh mais pour qui tu m'as pris là? Bon bah j'ai peut-être joué sur le 3 hein. Ouais, on va peut-être mettre le 3, allez. Y'a rien à faire sur le numéro 3. Bizarrement, eh non mais Vital il parle et comme par hasard quand je fais genre de pas comprendre, il dit plus rien. Je vais faire comme toi, je vais jouer à l'opposé aussi, comme ça on aura occupé toute la première ligne tout en bas. Allez. Est-ce qu'on va jouer nous? Où est-ce qu'on va jouer? Où est-ce qu'on va jouer pour que ce soit intéressant? Trop tard, t'as sauté, t'es baisé. Où que c'est que je suis baisé? J'ai rien dit exprès, j'ai fait genre ouais, je vais mettre tout en bas, vas-y, je vais mettre le posé comme toi pour faire genre. Oh non! Allez hop, Paris! C'était en 3 manches! Même si mon ego il me dit vas-y, on s'arrête à une seule partie. Mais vas-y, allez, ouais, what you are. Bon, allez, on va commencer avec. Allez, je prends au hasard, allez. Merci à ma chaise qui me rentre dans l'art depuis 2 semaines. Donc là, selon ton choix, il y a une chance sur deux que je gagne dès le début. Admettons là, tu l'aurais mis dans le 1. En fait, quoi qu'il arrivait, tu vois ce que je veux dire? Si tu le mettais dans le 1, après je pouvais le mettre dans le 3 ou bien dans le 7. Et quoi qu'il arrivait, je gagnais. Allez, dans le 4. Ah, t'as l'air, c'était tellement épique. T'as tellement rien vu venir. Le numéro 4. Préviens, tu m'as fait peur. On aurait dit Richtofen dans les zombies sur Black Ops 1. Mission max. Non. C'est plus ça. Attends.
Est-ce que je peux le mettre là? Ah, je sais, je mets sur 5, comme ça je te bloque un truc et en plus moi je me crée une opportunité. C'est toi qui va faire le gage, quoi qu'il arrive, mec. Gérard, fais pas le malin parce que si celle-ci je la gagne, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième manche et t'as perdu direct. Sois pas trop sûr, hein. Parce que franchement, je vais pas te faire cadeau s'il y a un gage pour toi. Et quand même, il est rassurant, hein, le type, hein. Parce que moi, mon truc, c'est genre l'onglet communauté. Tu vas te retrouver à poil sur ton onglet communauté. Avec une petite feuille de laurier à la place du calbar. Tu sais, d'un côté, ça va peut-être me rapporter des abonnés de type féminin. Ou elles vont juste s'en aller. des abonnés. Allez, moi aussi, allez, je vais gratter les petits pouces bleus. Allez, pour ceux qui veulent voir un petit pas riche avec la petite feuille de laurier, le petit pouce bleu si vous voulez. Non, 7. 7, hein. Ouais, ce serait bête que je commette une erreur quand même. Ça va, heureusement je l'ai vu, hein. Mes lunettes, elles étaient bien nettoyées aujourd'hui. J'ai pu les voir assez rapidement. Attends, il y a moyen que je puisse t'avoir et genre que tu sois obligé de me laisser gagner. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas être obligé de me laisser gagner. Tu vas dire, non, my feed. Tu vois. Réfléchis bien à ce que tu fais. C'est un conseil que je te donne. Non, non, c'est bon. Je pense ne pas faire une erreur en jouant le pion numéro 5. J'ai peut-être mal calculé mon coup, en fait. T'as joué où? Ah, je te le dirais pas, il va falloir aller regarder. Bah disons que si tu me bloques, en fait, on parie que je peux te bloquer encore une fois. Ça, Refid, ça fait une heure que tu dois me bloquer. Jouer le 1, c'est ça? Je sais pas, Refid. À tout moment, je peux finir avec une feuille de laurier sur mon onglet communauté, donc... Ah ouais, c'est pour t'emmerder, en fait. Juste pour t'emmerder. Tu prends les bonnes décisions, Refid. Continue comme ça. On dirait ma CPE. Ma CPE quand j'étais au lycée. Mec, je t'ai niqué. T'as perdu, gros. Oh non! Je pense que c'est toi qui a fait. Non! Non, j'ai pas fait attention! Non! Ah non, foiré! Ah, ça c'est caca, je l'avais vraiment pas vu. Ah, il est content, il est content. Fais pas le fier, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Ok. C'est pas moi. Allez, à toi l'honneur, les femmes d'âme. Tu sais que ça fait au moins 3 fois que je te le dis, ça fait 3 fois que tu fais pas attention. D'accord. On va dedans et ça passe. Moi, je vais essayer une autre méthode. Ah, il va faire une tour. Ah, pas grave, moi je vais surmonter le bloqueur du milieu. Ce sera, allez, le 5. J'ai le droit de te tirer dessus pour t'embêter. Ah, c'est bien, vu mon shoot, j'ai tout tiré à côté. Ah, en fait, j'ai compris, tu hack en fait. Ah, tu l'as même pas dit à tes abonnés en plus. Attends, j'ai quelle couleur déjà? Allez, le petit 4 ce coup-ci. Il essaye de partir dans plusieurs directions pour me tromper. Est-ce que je ferais pas le petit piège que je faisais à chaque fois? Je vais essayer de te faire ce piège-là pour voir si tu tombes dedans. Attends, là, mais là, tu vas mettre un troisième. J'essaie de te piéger comme ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est bientôt les périodes des examens, là, en plus. Vous révisez un petit peu les maths avec nous, aujourd'hui. Juste réviser un petit peu et surtout avoir confiance en vous. C'est la confiance qui va faire que vous allez réussir, les gars. Bon, bah, après, si t'as confiance, mais il t'ouvre pas un bouquin de l'année, quand même, pas riche. Tu vas arriver, tu vas faire... Nya. Tu vas dire, ah, d'accord. Mais me crois pas, je te dis que j'ai les rouges. Non, ce que je dis, après je reprenais la hauteur sur le bleu, donc c'est moi les rouges, toi t'as les bleus. Quel enfoiré! Je te crois pas, j'ai pas confiance. Maintenant c'est moi qui ai les rouges. On va jouer un petit numéro. Toi, Jerry, tu fais le tirage au loto, quoi, arrête. Je viens de voir la petite faille là, j'ai failli faire une erreur. T'as pas capté que je faisais des blagues et tout, j'essaie de te faire rigoler, de penser à autre chose quand tu devais jouer. Je suis moins serein que tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Dis-le, je te fais peur. Ça veut dire oui, ça. je sens que je vais t'avoir, moi. Ah, ça c'est pas bête. Ça c'est un peu bête. Ça c'est très 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 bête. Ou alors on va jouer sur le 3 pour... Juste pour te faire chier aussi encore, allez. J'ai envie de faire chier aujourd'hui. Il essaye de m'induire en erreur, genre, vas-y on te bloque, comme ça je mets sur 3, mais en fait après s'il pose sur le 6, il me baise la gueule. Ça marchera pas, Refit, je suis ultra concentré, je suis focus dans ma game, là. Bah non, parce qu'en fait j'ai plus de rouge dans le milieu, donc ça te coupe plus. Le 5. Le 5 qui a été. C'est le 100. Et pourquoi il est rose? C'est un joker ou quoi? C'est mec. Oh, c'est tout rose, c'est trop mignon. Attends, j'ai pas compris, il y a un bug là, c'est à toi de jouer? T'es sûr que t'es les rouges? T'es un mytho, c'est moi les rouges. C'est moi les rouges. Attends, mais j'ai gagné? T'es en train de me niquer là, attends. Mais comment aux dames quand on joue là et que l'autre il a pas vu là? Tu fais n'est pas joué. Mais attends, mais j'ai même pas fait. C'est pour ça que je ne parlais plus. Mais ah ouais, mais c'est pour ça qu'il s'est mis en rose. C'est le pion de la victoire, c'est pour ça. Vous savez quoi, on va vous fixer un petit objectif de like, allez. Dès qu'on a atteint sur ma propre vidéo, allez, les 500 likes. Dès qu'on a les 500 likes sur la vidéo, Paris, il poste un petit truc dans son onglet communauté. Une petite photo torse nu, allez, je veux une photo avec... C'est quoi, je vous laisse décider. C'est vous qui choisissez. Je veux une photo de Paris torse nu avec un truc dans la bouche. C'est vous qui choisissez, les copains, sur la vidéo, du coup. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai juste dit torse nu, tu vois. On veut pas avoir de paire de fesses non plus, non, ça va, garde tes fesses, Paris, range-les, laisse-les où elles sont. Vous choisissez. Bon, pas un truc trop vache non plus, hein. On veut pas le voir avec des objets, enfin, on m'a compris, allez. Bon, bah, vous mettez une petite bêtise qu'il va foutre dans sa bouche, puis
Et puis il posera une photo de ça avec sur son onglet communauté. Bah écoutez, bah c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Ouais, super super petite vidéo, super map. Puis voilà, bah j'espère vos retours par rapport à ça, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, c'était moi-même Piparish. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit chez moi ou chez Paris, s'il y a des petits nouveaux qui viennent d'arriver. Bon, on se capte très bientôt du coup, hein, Paris. Un mot de la fin peut-être? La vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai quoi, sur le prochain je gagne encore. Je t'en donne un gage. Je fais pire pour le prochain, je fais pire pour le prochain. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao ciao les mecs. Rafid s'installe doucement dans Frosty. La neige irène a-t-il tête? Un royaume de solitude, la place est là près des œufs. Le vent qui hurle en lui ne pense plus à demain.